Donc, bonjour, bonsoir à toutes et à chacun et aux anciens élèves du Centre César qui sont parmi nous aujourd'hui. Je m'appelle Shannon Smith, je suis directrice des programmes d'engagement et professeure au Centre César, Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Je vais animer la séance. Nous représentons 27 pays aujourd'hui, différents métiers, différents domaines, des militaires, civils, des hommes, des femmes. Donc, en bref, vous représentez le secteur de la sécurité dans son ensemble. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette série de webinaires qui va porter sur les femmes, la paix et la sécurité en Afrique. Encore une fois, pour l'interprétation, vous pouvez choisir votre langue de choix grâce au bouton en bas de votre écran qui s'appelle « Interprétation ». Je vais maintenant donner la parole à Kate Knopf pour lancer notre discussion. Merci, Dr. Smith. Bienvenue à nos collègues, à nos amis du Centre César. C'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire Femmes, paix et sécurité en Afrique. Le Centre d'études stratégiques de l'Afrique est une institution académique du département de la Défense. Nous sommes à l'Université de la Défense nationale à Washington, D.C. Et il s'agit d'un centre de recherche, d'échange d'idées et de débats pour renforcer la sécurité des citoyennes et des institutions pour avoir plus d'efficacité, plus de redevabilité. Nous cherchons à mieux comprendre ces questions et à fournir un espace de dialogue fiable, comme ce webinaire d'aujourd'hui, de renforcer nos liens et de penser aux solutions stratégiques. Je remercie donc notre panel, Dr. Yolanda Bouka et le général Diop et l'ambassadrice Mohamed. Merci. Thank you, Kate. Merci, Kate, et bienvenue de nouveau. J'aimerais remercier nos panélistes distingués qui sont parmi nous aujourd'hui. On a l'ambassadrice Fatima Mohamed, le docteur Bouka et le lieutenant général Diop. Encore une fois, vous pouvez choisir l'interprétation anglaise, française ou portugaise en bas de votre écran. Si vous avez une question, veuillez taper votre question dans la fonction chat. Ce webinaire est un premier dans une série que nous allons proposer portant sur le sujet Femmes, paix et sécurité en Afrique, que je vais mener conjointement avec ma collègue, le Dr. Kelly. Nous avons un panel distingué d'intervenants aujourd'hui. L'ambassadrice Fatima Mohamed est l'observatrice permanente de l'Union africaine auprès des Nations unies. Et elle est chargée de maintenir et de promouvoir des rapports institutionnels entre l'Union africaine et les institutions des Nations unies pour coordonner et appuyer les activités des Nations unies et de l'Union africaine, et aussi de suivre la mise en œuvre des décisions de l'Union africaine. Avant sa nomination, elle était conseillère principale auprès de la commission de la CDAO. Sa carrière s'étend sur plus de deux décennies et est concentrée sur la paix, la sécurité et le développement socio-économique, l'intégration régionale et le développement organisationnel. Elle est également ancienne élève du Centre César et l'une des boursières Eisenhower. Général Biram Diop est chef d'état-major des forces armées sénégalaises. Avant cette nomination, il a été conseiller à la sécurité nationale auprès du président du Sénégal. Le général Diop a été également chef d'état-major et chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air sénégalaise. Et en total, il a accumulé 7000 heures de vol. Le général Diop a étudié à l'Académie royale et il est aussi un partenaire distingué du Centre César. Il a été également un chercheur, un boursier du National Endowment pour la démocratie du Centre Wilson,
où il a mené des recherches sur la réforme du secteur de la sécurité en Afrique et il a publié beaucoup d'articles sur les relations entre civils et militaires en Afrique subsaharienne. Il est aussi doctorat en diplomatie et relations, il a son doctorat en diplomatie et relations internationales. Finalement, le docteur Yolanda Buka, qui est professeur adjoint au département d'études politiques de l'Université Queen's, sa recherche porte sur le genre, la politique et la sécurité africaine. Elle est titulaire d'un doctorat en relations internationales de l'Université américaine et sa recherche actuelle porte sur une analyse historique et politique des femmes combattantes en Afrique australe. Elle a travaillé avec l'USAID, les Nations unies, l'Union africaine, le Centre d'études stratégiques internationales, l'Institut américain de la paix et l'Institut des études de sécurité. Donc, nous sommes donc vraiment entourés d'invités très distingués. Nous sommes ici au moment où le monde fête le 20e anniversaire de la résolution 1325 qui a lancé cette plateforme de paix et de sécurité des femmes et les femmes dans la paix et la sécurité. Donc, j'aimerais commencer avec l'ambassadrice. Madame l'ambassadrice, est-ce que vous pouvez nous parler de l'implication des femmes, la participation des femmes et la prise en compte de la question genre comme essentielle à la promotion de la sécurité et à la réalisation de l'agenda 2063. Merci, Shannon, et j'aimerais commencer en saluant tous les participants, notamment tous ces anciens élèves du Centre César et mes copanalistes. C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui et je remercie le Centre César de m'avoir invité et d'avoir organisé ce webinaire qui porte sur un sujet très pertinent. Comme vous avez dit, Shannon, nous venons de marquer le 20e anniversaire de la résolution 1325 et nous avons mené de nombreuses activités aux Nations unies et à travers le monde. Et ceci marque également une année essentielle en Afrique, comme l'année qui a été déclarée pour le développement en Afrique et le développement inclusif. Et c'est précisément le lien avec l'agenda 2063. Et nous cherchons surtout à mettre l'accent sur les femmes et la paix et la sécurité et la participation des femmes dans les processus de paix et aussi dans la prévention de la violence à l'égard des femmes et des filles pour protéger les droits des femmes et des filles. Au niveau de l'Union africaine, nous avons mené plusieurs étapes concrètes pour intégrer la question du genre dans nos priorités pour l'agenda 2063. Ceci a été intégré dans un nombre de nos instruments, y compris le protocole de la Charte africaine pour les droits des peuples et aussi la déclaration sur l'égalité entre les hommes et les femmes et de manière plus générale dans l'architecture de la paix et de la sécurité en Afrique. Il y a aussi certaines dispositions régionales qui ont été prises au niveau des communautés économiques régionales. En termes de ce que nous avons donc fait et notre réaction, et pour répondre plus directement à votre question, nous avons élaboré récemment un nombre de plans d'action nationaux qui nous a permis d'intégrer des leçons tirées de la première génération des plans d'action, y compris le fait que les ministères de la sécurité prennent un rôle prominent pour reconnaître les responsabilités y compris le financement de ces initiatives
Mais malgré l'existence de ces progrès et de ces instruments, la mise en œuvre reste toujours un défi et il faut déployer plus d'efforts en matière de mise en œuvre de ces instruments. Aussi, en termes de ce que nous voyons sur le terrain, il y a aussi pas mal de défis à relever. Ceci dit, j'aimerais dire quelques mots à propos des succès, donc de souligner les succès que nous et les objectifs que nous avons pu réaliser au niveau de l'Union africaine, et j'aimerais vous donner quelques exemples concrets, si vous me le permettez. En essayant de combler ces fossés, nous avons redoublé nos efforts pour faire en sorte que les femmes soient de véritables partenaires dans la préparation et dans la participation, et aussi en termes d'efforts de médiation. Nous avons mené des missions conjointes de solidarité entre l'Union africaine et les Nations unies, et nous avons adopté cette approche axée sur les actions concrètes pour faire en sorte qu'au niveau le plus élevé, la voix des femmes soit entendue et qu'on rassemble des parties prenantes pour discuter des réalités sur le terrain. Ces missions conjointes ont commencé en 2017 et nous avons constaté très clairement que la question de la violence à l'égard des femmes persiste, y compris le fait d'utiliser les femmes et les filles pour faire des attentats suicides. Et aussi, on a souligné le besoin d'avoir des stratégies plus axées sur la question du genre. En termes de protection des femmes et des filles, nous avons mis en place les engagements WPS et d'autres piliers liés à la participation. Et nous essayons de mener ces efforts en lançant un groupe de travail sur les femmes et la médiation. Et nous sommes en partenariat aussi avec les Nations unies, avec le cadre conjoint paix et sécurité, pour faire en sorte que le leadership des femmes dans la paix, dans la sécurité et dans le développement est vraiment prioritisé. Et la résolution 2457 a reconnu également cette dimension. Je vais m'arrêter là. Mais je voulais vous donner des exemples de ce que nous avons effectué de manière concrète et les succès. Mais en termes de défis, je pourrais noter deux défis rapidement et ensuite on pourrait en parler davantage après. Le premier défi, et cela continue à être l'une des plus grandes défaillances, et c'est la question de l'inclusion en termes de la politique, en termes de ces cadres politiques. Nous avons beaucoup de politiques directrices qui nous expliquent ce qu'il faut faire, et nous savons tous ce qu'il faut faire. Mais lorsque on approfondit un peu plus ces questions sur le terrain, et nous travaillons et nous parlons avec les citoyennes sur le terrain, on se rend compte que cette fossé, cet écart entre la réalité sur le terrain et la politique continue à exister. Et nous reconnaissons de plus en plus également que l'exclusion est un facteur qui motive ou qui, derrière les conflits. Mais en termes de l'inclusion et comment cela se traduit en pratique,
cela reste toujours un défi pour vraiment appliquer ce principe d'inclusion. Je pense donc qu'il faut construire des communautés qui soient plus inclusives. Il faut aussi créer des institutions et des forces de sécurité qui abordent toutes ces questions d'inclusion et de participation des femmes. Et je pense que la vraie sécurité aussi, afin d'avoir une vraie sécurité, il faut que ça soit une sécurité inclusive. Je vais m'arrêter là et je pourrai aborder d'autres points par la suite. Merci. Merci. C'était un très bon début à notre conversation. Général Diop, selon votre perspective en tant que dirigeant militaire, est-ce que vous pourriez nous parler du rôle que le genre a joué dans les résultats de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sénégal? Et est-ce que vous pouvez nous donner votre perspective en tant que dirigeant militaire au niveau national? Je vous remercie. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation. Mais je dirais aussi que nos autorités nous ont permis de participer à cette activité malgré les engagements très importants que nous avions ailleurs, tout simplement parce qu'elles comprennent l'importance de ce thème qui est débattu aujourd'hui, mais aussi elles comprennent le compagnonnage que j'ai avec le César depuis bientôt 21 ans. Je souhaiterais aussi préciser que tout ce que je dirai ici n'engage que nous, intuiti personae, pas escalité. Voilà. Revenons à votre question maintenant, Shannon. Avant d'y répondre, je souhaiterais d'abord préciser que l'intégration, ou en tout cas la prise en charge de la dimension genre, si elle est bien faite, elle nous permet d'avoir l'harmonie dont on a besoin au niveau de nos sociétés. Donc l'harmonie, la stabilité, la sérénité. Pourquoi l'harmonie? Parce que s'il y a une bonne prise en charge de la dimension genre, nous créons les conditions d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, on a les mêmes droits au niveau politique, au niveau social, mais également au niveau économique. Une bonne prise en charge aussi de la dimension genre, comme vous le savez, permet de créer les conditions d'équité. Et feront que les hommes ou les femmes ne souffriront pas de discrimination ou en tout cas d'impartialité, tout simplement parce qu'elles sont femmes ou bien parce qu'ils sont hommes. Cette considération est très importante. Mais la bonne prise en charge aussi de la dimension genre nous permet de promouvoir une complémentarité, la complémentarité dont on a besoin tant au niveau de nos sociétés, et qui fait que nous pouvons avoir, en tant que société, des résultats beaucoup plus importants que les résultats que nous aurions eus si nous n'étions que des hommes ou si nous n'étions que des femmes. Donc cette complémentarité, elle est fondamentale. Ceci dit, si je viens à votre question proprement dite, je peux me réjouir du fait que dans notre sous-région, dans l'espace CEDEAO et dans l'espace UEMOA, les autorités ont compris toutes ces plus-values dont je viens de parler et conséquemment ont mis en place des politiques en s'inspirant de trois éléments. D'abord, le protocole à la charte de l'Union africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes, aussi du programme genre, paix et sécurité, et enfin de l'agenda 2063. En mettant donc en politique des politiques qui sont en phase avec ces trois instruments au niveau de l'Union africaine, mais également aussi beaucoup d'organisations au niveau de notre sous-région, elles sont nombreuses, je ne pourrais malheureusement pas toutes les citer,
Mais il y en a qui ont fait un travail remarquable en intégrant le genre et en conséquemment en aidant à ce que, bien entendu, la stabilité et la sécurité dans notre sous-région prévalent. Parmi ces organisations, on peut citer le REFMAP, c'est le réseau des femmes du Mano River pour la paix, qui ont largement contribué à régler les récurrentes crises que nous avons connues en Sierra Leone et au Liberia. Nous pouvons également citer le réseau sécurité et paix des femmes dans l'espace CEDEAO, le REPSFECO, qui a beaucoup contribué dans la prévention des conflits et les activités du REPSFECO. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de participants qui sont mieux placés que moi pour en parler. Il y a aussi le réseau ouest-africain pour la consolidation de la paix, le WANEP, qui a beaucoup travaillé, surtout dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action nationaux de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est au plan sous-régional. Maintenant, au Sénégal, nos autorités ont compris que intégrer les femmes dans les forces de défense et de sécurité était également une bonne voie pour renforcer la sécurité dans nos sociétés. C'est pour ça qu'en 2007, nos autorités ont pris une décision qui a permis de généraliser le recrutement des femmes dans les forces de défense et de sécurité, notamment dans les forces armées. Donc, les femmes ont pu accéder à pratiquement tous les secteurs des forces armées. Et cela est fondamental. En 2010 aussi, il y a une loi qui a été votée. Cette loi, elle promeut la parité absolue entre hommes et femmes dans toutes les institutions qui sont totalement ou partiellement électives. Et ça, ça permet aussi aux femmes d'être à des niveaux de responsabilité et de participer dans le processus décisionnel. Nous avons également, en 2016, revu notre stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, qui permet aussi de faire participer les femmes à côté des hommes dans notre développement durable et surtout de bénéficier de toutes les plus-values de ce développement durable. Et enfin, dernièrement, en 2020, nous avons pris une loi qui criminalise le viol et la pédophilie. Et le fait qu'on ait pris cette loi est duciable et donc protège plus les femmes. Et cela est extrêmement important. Et il y a beaucoup d'autres travaux qui ont été faits par d'autres organisations comme Femmes Africa Solidarité, qui est très présent ici au Sénégal, dans la sous-région. Nous avons aussi les associations, des organisations de la société civile qui sont très impliquées dans ce que nous faisons. Et ensuite, nous avons AMLD aussi, et je reviendrai tout à l'heure, qui travaille dans la migration, travaille dans le leadership et le développement. Et je n'oublierai pas notre camarade, le docteur Aïdara, qui est la directrice de Partners West Africa, qui est très impliquée dans ce que nous faisons. Et dernièrement, dans notre pays, et d'ailleurs dans tout le monde, avec la crise sanitaire également, l'intégration du genre, notamment des femmes, dans la réponse qui a été donnée au niveau national, a permis d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus importants que ceux qu'on aurait eu si les femmes n'étaient pas impliquées. Voilà pour le moment ce que je peux vous dire sur la question que vous nous avez posée. Et sur les autres questions, je reviendrai plus spécifiquement sur l'expérience et la perspective militaire que je pourrais partager. Voilà, merci beaucoup. General, thank you so much. Merci, mon général. Et c'était vraiment
Très positif d'avoir de terminer sur ce dernier exemple de la COVID-19 et comment l'intégration des femmes vous a donné une réponse plus forte. Dr. Bouka, j'aimerais vous demander, avec votre perspective d'universitaire, j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, lorsqu'on pense au genre et femmes, paix et sécurité, comment est-ce qu'on pourrait donc comprendre tous ces aspects d'un point de vue universitaire? Et deuxièmement, vous avez effectué énormément de recherches dans ce domaine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vos recherches vous ont montré par rapport au rôle essentiel que les femmes jouent dans le paysage de sécurité en Afrique, soit comme faiseuses de la paix ou combattants? Merci, bonjour, bonsoir à tout le monde et aux participants et à mes panélistes estimés. Merci au Centre César de m'avoir invité. C'est un grand privilège d'être ici et de pouvoir débattre de ce sujet tellement essentiel qui est vraiment l'objet de mes recherches actuelles et de mon implication politique au fil des dernières années. Le point de départ, à mon avis, lorsqu'on essaie de comprendre, de bien cerner cette question de genre et de femmes, paix et sécurité, c'est une question premièrement de définition. Et je pense qu'il faut commencer d'un point de départ où on comprend la différence entre ce qu'on veut dire lorsqu'on parle d'intégration du genre et l'inclusion des femmes dans les institutions. Lorsque nous parlons de genre, nous parlons d'un système de socialisation qui crée des hiérarchies concernant les caractéristiques mâles et femelles. Cela veut dire quelles sont les normes, quelles sont les attentes, les anticipations, des comportements qui se portent vers les petites filles, les femmes et les rôles qui sont associés en étant ou bien un garçon ou un homme ou une fille ou une femme. Et c'est très, nous parlons souvent de la complémentarité, mais souvent c'est défini en opposition l'un à l'autre. Il y a aussi des preuves de plus en plus évidentes et accroissantes dans les cercles féministes en Afrique qui commencent à faire comprendre, à déballer ces questions, que dire que ce qui est le sexe n'est pas toujours bien aligné avec ce qu'on comprend par le genre, et surtout dans les milieux de sécurité, de la sécurité. Nous analysons le rôle que joue le genre dans la sécurité. Lorsqu'on parle de ça, on ne parle pas seulement des rôles que peuvent jouer les femmes. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on essaie de comprendre les façons par lesquelles les groupes armés non étatiques recrutent des personnes pour se joindre à des groupes, des activités violentes, il nous faut comprendre le rôle que joue le genre dans l'encadrement du recrutement de ces personnes pour ces actes. Par exemple, dans un contexte où les jeunes hommes sont, on attend à ce qu'ils s'occupent de leur famille, qu'ils doivent réaliser certaines activités pour devenir hommes et que ces choses-là sont impossibles à cause des contraintes économiques et sociales. Nous voyons justement les groupes extrémistes, les groupes violents qui jouent sur ce narratif, sur la situation de devenir homme, du rituel de devenir homme, pour recruter justement ces jeunes hommes dans leur rang. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas un rôle à jouer aussi. Parfois, elles jouent le rôle de consolider, de raffermir, renforcer ces attentes pour les hommes. Mais pour encourager les hommes, elles peuvent encourager les hommes à faire partie de ces activités. Les jeunes femmes aussi peuvent voir qu'elles peuvent aussi assister les groupes non étatiques. Elles peuvent trouver leur rôle dans ce milieu non étatique. Donc, cela nous exige, nous requiert de nous pencher non pas seulement sur les femmes, mais sur les hommes aussi. Quelles sont les attentes sociales dans le contexte?
qui est lié au recrutement lié aux causes principales de ce recrutement. Lorsqu'on parle de l'inclusion des femmes, nous parlons aussi de l'agenda 13-25 et tout ce qui a été établi depuis 25 ans. 20 ans, tout niveau de gouvernement, tout niveau d'institution sécuritaire du gouvernement, on veut voir l'intégration, non seulement l'inclusion. Je crois qu'il y a des nuances entre ces deux mots. On peut inclure les femmes au sein des institutions, qui est parfois souvent ce que font les institutions lorsqu'ils ne sont pas très familiers à savoir comment aborder la question d'égalité, de parité, de genre au sein des rangs. Mais ce qui réussit davantage, c'est d'intégrer l'intégration des femmes nécessite de regarder la façon par laquelle analyser les façons par lesquelles les femmes et les hommes peuvent s'épanouir au sein des institutions où ils se trouvent. Ceci nécessite des analyses. Quels sont les moyens, les façons pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes? Nous comprenons que les hommes et les femmes ont des besoins différents, des conditions de vie différentes, des circonstances différentes, mais ils ont aussi un accès égal d'après la plupart des lois, des normes, des réglementations gouvernementales. Ils ont un accès égal aux services de leur pays, aux organisations qui sont là pour les protéger, mis en place pour les protéger. En tant que cela, l'intégration fait appel à une analyse, à la mise en œuvre de politiques qui font avancer la parité et l'équité des genres. Donc, d'insérer les femmes, tout simplement, ça ne veut pas dire qu'on parle d'hommes et de femmes de façon symbolique dans les documents. Ça ne veut pas dire de créer des organisations de femmes. Et cela n'assume pas non plus que les femmes sont un groupe monolithe. Les femmes, tout comme les hommes, dans les sociétés, sont diverses, basées sur la classe où elles habitent, la classe sociale, si elles habitent dans les villes ou dans la campagne, la langue qu'elles parlent. Alors, je pense que ça, c'est très important parce que ceci nous aide à mettre en place ou de mettre de côté des activités symboliques seulement dans lesquelles on s'engage pour dire « oui, oui, on a inclus les femmes ». L'Afrique, en tant que région, a très, très bien travaillé depuis une décennie à développer des instruments, des outils clés principaux pour inclure les femmes à des niveaux différents du gouvernement, du développement de la société, de représentation politique. Je trouve ça remarquable. Le continent africain est bien en avance dans beaucoup de milieux à cet égard, à côté du reste du monde. Comment faire maintenant pour avoir un impact plutôt que d'être seulement sur place? On peut parler des barrières, des obstacles ultérieurement, mais une fois qu'on aurait établi un cadre pour comprendre la différence entre genre, l'inclusion des femmes, souvent on entre dans ces conversations en se disant « mais oui, on a adressé le genre, les femmes sont incluses ». Il faut aller au-delà de cela. Je pense qu'ensuite, nous pourrons déballer, mieux comprendre ce que l'ambassadrice a mentionné, c'est de voir les défis des politiques et des réalités sur le terrain. Est-ce qu'elles se retrouvent? Merci beaucoup. Je pense que les définitions sont très importantes. Je suis d'accord. Les points fondamentaux que vous avez tous appuyés, c'est la nature essentielle de tout cela. C'est pas seulement qu'il faut promouvoir cela parce que c'est dans les lignes directrices, mais c'est d'une importance stratégique, en fait, avec un impact réel en tant que praticien et académicien et universitaire. Nous comprenons cela. J'aimerais maintenant vous demander de réfléchir à un moment.
Nous avons parlé de l'intégration des genres, nous avons parlé d'inclure les femmes dans toute la société. Ce n'est pas seulement d'ajouter des personnes, mais il y a des fonctions plus complexes à cela. J'aimerais si chacun d'entre vous pourriez parler des obstacles à cette intégration et ce que vous voyez comme les pas nécessaires pour surmonter cela. Qu'est-ce que vous voyez? Que pouvons-nous faire pour mieux intégrer les femmes? Général, je vais commencer avec vous pour cette tournée. Qu'est-ce que vous voyez comme étant les barrières contre l'intégration des femmes? Et si vous étiez dans une salle avec des collègues qui étaient douteux à l'idée d'intégrer les femmes, comment est-ce que vous pourriez surmonter leurs doutes? Les obstacles à l'intégration peuvent être de divers ordres. Hein. Ils peuvent être liés à des réalités socialement construites. Ils peuvent être liés aussi à des motifs d'ordre culturel, avec les usages, les coutumes de nos sociétés. Et la culture, elle est difficile à faire bouger. Elle prend du temps. Ça peut être aussi lié à des raisons tout à fait religieuses, tout à fait possible. C'est aussi, ça peut être lié au fait d'un conservatisme, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous militaires. Nous avons une institution qui est connue pour sa masculinité et son conservatisme. Et donc, cela peut constituer un obstacle à l'intégration du genre, notamment à l'intégration des femmes. Mais ça peut être aussi dû à un manque d'intérêt des femmes de rejoindre une institution bien donnée, comme notre institution. Donc, dépendant d'un pays à un autre, vraiment, les obstacles peuvent varier. Mais généralement, ils peuvent être vraiment culturels. Ils peuvent être culturels et la culture, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a beaucoup de mal à... Elle prend du temps à évoluer. Et si on doit essayer de convaincre les plus sceptiques, il faut d'abord se donner le temps de comprendre pourquoi ils sont sceptiques. Parce que les sceptiques, ce n'est pas des ennemis à ceux qui veulent que ça se passe. Ils ont des raisons souvent très objectives. Donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas les écouter. Il faut les écouter pour comprendre pourquoi ils sont sceptiques, pourquoi ils sont contre. Et pour cela, nous avons un instrument que nous trouvons très efficace, que nous utilisons très souvent. C'est un instrument qu'on appelle l'analyse des parties prenantes. Et l'analyse des parties prenantes vous permet d'avoir une idée de ceux qui sont pour votre projet, ceux qui sont contre et ceux qui sont neutres. Et une fois que vous identifiez ceux qui sont pour, il faut vous intéresser à la raison pour laquelle ou aux raisons pour lesquelles ils sont pour. Et ces raisons vont vous servir d'arguments que vous pourrez utiliser pour convaincre ceux qui sont contre et faire évoluer aussi ceux qui sont neutres. C'est fondamental. Mais le processus doit être fait avec beaucoup de patience. Parce que c'est des mentalités qu'on cherche à faire évoluer. C'est des clichés, c'est des stéréotypes. C'est des réalités socialement construites, comme je disais tout à l'heure, qu'on veut faire évoluer. Cela prend du temps. Donc, il y a une sensibilisation très pédagogique qu'il faut prendre en compte. Et l'expérience du Sénégal dans ce domaine peut peut-être être partagée. Lorsque nous avons décidé une intégration complète du genre, surtout des femmes au niveau des forces de défense et de sécurité et des forces armées, nous avons au début fait preuve de beaucoup d'humilité. On a fait preuve de beaucoup d'humilité en tendant la main à des organisations de la société civile qui sont spécialisées sur ces questions-là. Et pendant assez longtemps, nous avons travaillé ensemble pour d'abord
passer en revue tous les textes normatifs qui organisent le fonctionnement des forces armées. Et pendant cette revue, nous nous sommes rendus compte que les textes, généralement, n'étaient pas sensibles à la question genre. Et donc, nous avons rendu les textes sensibles à la question genre. Nous avons également travaillé avec ces organisations de la société civile de manière à harmoniser ces textes sensibles au genre aux textes auxquels le Sénégal avait souscrit au niveau international et qu'il avait ratifié, pour avoir une cohérence dans tous les textes, en tout cas, qui organisent le fonctionnement de nos forces armées. Et ensuite, nous avons fait preuve de beaucoup de pédagogie en faisant appel à des pays qui se sont lancés dans l'intégration du genre et l'intégration des femmes avant nous. Nous avons invité d'éminentes personnalités féminines des États-Unis, du Gabon, du Mali, de la Gambie, qui sont venues pendant 3 jours partager avec leurs sœurs sénégalaises des différentes expériences qu'elles ont connues lorsque leur pays s'est engagé dans ce projet d'intégration genre. Et cela nous a permis de tirer des leçons extrêmement intéressantes qui ont été consignées dans un document. Et ces leçons nous ont permis plus tard de formuler une stratégie sectorielle genre au niveau du Sénégal que nous avons trouvée assez réaliste et assez conforme à nos attentes. Et nous avons continué, après l'élaboration de cette stratégie nationale sectorielle genre, nous avons continué à faire du plaidoyer au niveau des décideurs, mais aussi à sensibiliser la société sénégalaise dans sa majorité pour pouvoir attirer le plus de femmes dans notre organisation. Et enfin, nous avons réaliser des documents, des modules de formation qui nous permettent de capaciter non seulement les femmes, mais également les hommes. Parce que la question genre, c'est une science qu'il faut maîtriser. Et si on n'apprend pas à la maîtriser, on ne va jamais la maîtriser. Il faut qu'on prenne le temps de l'apprendre, de connaître tous ses aspects, pour pouvoir à la fin développer ce qu'on appelle une capacité binaire qui vous permet à chaque fois que vous prenez une décision de prendre en compte les sexospécificités aussi bien des hommes que des femmes. Voilà ce que nous avons fait pour surmonter les obstacles que nous avons eu à rencontrer pendant l'intégration genre au niveau des forces armées. Et je vous remercie, Jean. Thank you so much, General. And we're also merci getting beaucoup, Général. Nous avons beaucoup de questions qui arrivent dans la boîte de bavardage, dans le chat. Je vais donc poser 2 questions rapides à l'ambassadrice et puis à Madame Bouka. Et tout d'abord, Madame l'ambassadrice, vous nous avez parlé brièvement. Vous avez dit qu'il y a une reconnaissance que l'exclusion mène au conflit ou de ce principe-là et qu'il est difficile de changer cela parfois. Est-ce que vous pouvez nous parler des pas nécessaires pour surmonter certaines de ces barrières ou de ces obstacles? À vous la parole. Merci beaucoup. Merci, Shannon. C'est une question si pertinente parce que souvent, vous savez, dans le travail que nous faisons, nous avons la tendance de cocher les boîtes, d'élaborer ce que nous déclarons continuellement. Mais dans la réalité, lorsqu'il s'agit des faiblesses, des lacunes, on a du mal à parler honnêtement. À voir ou à dire ce qu'on a réalisé sur le terrain. Je crois que je vais renforcer un petit peu sur ce qu'a dit le général, en particulier les attitudes, les obstacles d'attitude, de perception. C'est une des barrières
auquel on est confronté dans tous les secteurs. En plus, j'espère que Dr. Yolande pourra en parler de même un peu davantage en tant qu'universitaire. De plus en plus, nous avons tendance de se pencher sur les progrès réalisés. Mais aussi, il y a pas assez d'analyse de données, souvent, surtout en ce qui concerne les questions de genre. Et ceci est lié au manque de compétences techniques, souvent. Nous avons de plus en plus des individus spécialisés et des initiatives qui se penchent là-dessus. Mais ça continue à présenter une faiblesse, des lacunes, et ceci est lié à savoir comment ça se produit dans les actions. Je crois que de plus en plus, nous voyons plus de recherches entamées en ce qui concerne ce qui est requis. Nous voyons de plus en plus de données fiables, mais cela peut mener à une cartographie, un réseautage insuffisante. En ce qui concerne le budget, nous avons parlé de budget sensible au genre, mais il nous faut planifier suffisamment pour voir les choses à long terme, les possibilités à long terme, et aussi pour assurer que nous ne portons pas plus de mal avec nos interventions et pas seulement en ce qui concerne la paix et la sécurité, mais aussi le développement économique, les questions de développement économique, par exemple. Une des choses que nous avons réussi à faire, je crois, vu les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, c'est de travailler de plus en plus avec des groupes de femmes communautaires, de faire les liens de ces résultats avec notre travail de politique. Et ces aspects, je pense que si on peut travailler davantage avec les organisations dirigées par les femmes au niveau communautaire, au niveau de base, pour assurer qu'elles ont les ressources nécessaires, les capacités techniques pour travailler plus étroitement avec les États membres, parce qu'elles travaillent sur le terrain de jour en jour. Elles travaillent avec les victimes et aussi elles connaissent mieux à savoir que les questions de prévention des problèmes. Et je dirais en plus de cela que il nous faut explorer de plus en plus les mécanismes qui nous permettent à prendre des pas plus concrets pour fournir le soutien nécessaire qui est demandé pour ce travail. En plus de la question des ressources, encore une fois, je vais faire référence au commentaire qu'a fait le Dr Yolanda. Il faut vraiment l'intégration, une vraie intégration et non pas seulement une, entre guillemets, inclusion avec les chiffres, mais pour pouvoir dire qu'elles font partie concrètement de tout le processus. Voici mes commentaires en ce qui concerne les défis et les recommandations, à savoir comment on peut relever ces défis. Merci beaucoup, Dr. Bouka. Est-ce que vous pouvez nous donner vos deux recommandations principales pour relever le défi, dépasser les barrières, les obstacles? Je crois qu'un élément clé qu'il nous faut tous reconnaître,
Alors que nous faisons ce virement, ce changement de direction en ce qui concerne la parité des genres dans tous les niveaux de la société, parce que les discours, les débats d'égalité de genre sortent de beaucoup de pays, mais nous voyons que ce n'est pas fait partout. Je suis universitaire, je fais beaucoup d'analyses historiques. Beaucoup des mouvements des femmes ont trouvé leur origine sur le continent africain, en fait. Mais cela prend du temps. Il nous faut reconnaître que cela prend beaucoup de temps. Après 20 ans, il faut évaluer la situation avec la résolution 1325, mais il est très important aussi de reconnaître le temps au sein d'une institution militaire que cela prend pour une femme d'entrer dans les forces militaires et de voir des promotions, de monter dans les rangs. Si on est dans un pays qui seulement récemment a ouvert la porte aux femmes ou à ces institutions, on ne peut pas s'attendre à ce que les promotions vont avancer très rapidement. Je pense qu'il faut prendre en compte le temps comme compagnons sur cette voie que nous entreprenons. Une fois qu'on prend compte du temps, d'après mon expertise, ayant travaillé avec le gouvernement, avec des institutions différentes de sécurité, un des défis les plus importants, c'est de savoir comment faisons-nous pour rendre redevables les parties prenantes une fois qu'ils se sont mis d'accord d'intégrer les initiatives de genre? Nous avons beaucoup de pays qui ont mis des plans d'action en place, mais il est difficile, une fois que cela est accompli, de rendre redevables les parties prenantes. Ce qui me donne l'espoir, néanmoins, c'est un grand obstacle, mais ce qui me donne l'espoir, c'est que l'Union africaine a développé un encadrement de résolution et j'aimerais que ce document, en fait, soit plus accessible ou qu'il soit plus visible aux parties prenantes qui essayent d'évaluer cela. Et cet outil est en ligne et peut-être l'ambassadrice peut nous en parler. C'est un indicateur avec 41 indicateurs qui pour évaluer, OK, ce pays X a un plan d'action en place. Comment font-ils? Ça, c'est un document approuvé par le gouvernement. Comment font-ils pour mettre en œuvre, en fait, pour réaliser ces points? Ce qui me surprend souvent lorsque je regarde le plan d'action de pays différents, où je lis leur constitution, leurs propres lois, et je vois qu'il existe encore de la résistance. Et ces documents, ce sont des documents pour créer le consensus. Souvent, ces plans d'action, c'est avec les sociétés civiles, les parties prenantes, des groupes de femmes. Ce sont des documents qui ont été bien reçus et approuvés, mais néanmoins, il y a des poches de résistance dans le gouvernement pour les mettre en œuvre. Si la Constitution dit qu'il faut avoir l'égalité de genre ou s'il faut avoir un pourcentage de femmes au Parlement ou chez les militaires, alors l'aspect de résistance doit être mis de côté. Il faut respecter les lois et les mettre en œuvre. Alors, il y a la question d'engagement, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour rendre redevables les parties prenantes? Je suis tout à fait d'accord avec l'ambassadrice Mohamed et le général Diop lorsqu'ils parlent de l'expertise. Lorsqu'on parle de genre, parfois il y a des manques. Il est difficile de mettre en place des politiques sûres s'il y a des gens qui n'ont pas les outils qui leur sont disponibles pour faire des analyses solides. Et ça revient
aux faiblesses, aux lacunes de connaissances dont a parlé l'ambassadrice. Il est difficile de mettre en place une bonne politique pertinente si on ne connaît pas les défis, les difficultés. Je vais redire cela. Si on est une institution, une entreprise, on essaie d'améliorer la qualité du travail d'un groupe ou d'une démographie particulière, il nous faut nous engager avec ce groupe et leur demander de quoi exactement avez-vous besoin? Quelles sont vos difficultés ou vos défis? Combien d'entre vous travaillent dans cet espace? Et il a été très difficile d'avoir des données précises. Et là, je parle précisément dans les femmes dans le secteur africain à travers les pays de l'Afrique. De parler des expériences des femmes qui se sont joints à ces institutions et pour des raisons diverses, pour des raisons de sécurité nationale ou l'accès qui n'est pas ouvert à des chercheuses telles que moi-même, d'avoir des données dans le département de la Défense pour demander cela aux femmes, de leur demander comment se passent les choses. Mais en tant que... il faut recueillir les données pour mieux comprendre le contexte où travaillent les femmes pour développer d'autres politiques, faire avancer d'autres politiques pour créer un environnement où les femmes aussi peuvent s'épanouir. Et puis aussi, chose très importante, un point très important à se rappeler en tant que c'est de la perspective de femmes africaines que je vous dis cela. Lorsqu'on parle de culture, de la place de la femme dans nos traditions, je pense qu'il est aussi essentiel pour nous de reconnaître l'impact qu'a eu la colonisation sur ce qu'on perçoit être notre culture et nos rôles de genre appliqués aux hommes et aux femmes. Lorsque les colonisateurs sont arrivés en Afrique, ils ne pensaient pas voir des femmes guerrières ni des femmes qui géraient l'économie du pays. Et ceci a été très changé avec les colonisateurs. Et c'est comme ça qu'on change les aptitudes. Le rôle des femmes dans les secteurs sécuritaires, gouvernementaux, militaires, il faut se souvenir lorsqu'on essaye de faire ça. Il faut extraire les connaissances que nous avons concernant la situation et le rôle qu'avaient joué les femmes antérieurement à la colonisation. Et cette idée que culturellement, ce n'est pas ce que les femmes africaines ont fait par le passé, je refute cela. Les universitaires, comme tels que moi-même, ont trouvé très souvent que les femmes avaient joué des rôles incroyables. Ce n'étaient pas des aberrations. Nous avons accès en tant qu'Africaines et en tant qu'Africaines, il faut nous engager dans l'éducation sur nos ancêtres femmes et le rôle qu'elles ont joué dans nos cultures. Et comme ça, on peut sensibiliser les gens concernant l'inclusion des femmes, qu'elle n'est pas importée d'ailleurs. Elle fait partie de notre héritage de même. Et je pense que cela va permettre aux femmes qui travaillent dans ces secteurs de se tourner à des modèles qui sont importants d'avoir, des modèles en dehors des idées, en dehors des modèles des militaires et des institutions occidentales, mais des modèles qui sont intégralement africaines dans leurs idéaux, dans leur façon de voir comment l'égalité faisait partie de beaucoup de nos institutions et beaucoup plus consultatives qu'elles ne l'étaient auparavant. Thank you so much. Those are all merci. C'était des perspectives extrêmement importantes. Et je note que nous parlons de l'agenda femmes, paix et sécurité en Afrique, mais on pourrait parler de ces obstacles lorsqu'il s'agit de n'importe quel pays ou région du monde. Il s'agit d'un défi universel. Nous avons tous très distingués pour une discussion formidable. Je voudrais aussi remercier
tous ceux qui ont posé des questions aujourd'hui. On n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais c'est exactement ce genre de sujet que nous allons explorer dans les webinaires à venir. Les questions, nous voulons explorer tout cela plus en profondeur, aussi les questions de genre et de femmes et de la lutte, dans la lutte contre l'extrémisme violent. Ce sont toutes des questions très pertinentes. Nous venons de commencer seulement la conversation aujourd'hui. Nous espérons continuer cela. Je voudrais remercier mes collègues au Centre africain qui ont rendu possible cela avec tout votre travail technique à l'arrière-plan. Je vous remercie. Je vous souhaite toute une bonne journée. Merci à tous les présentateurs, tous les conférenciers. Merci beaucoup et au revoir.